Ok les gars, nouvelle boutique d'aujourd'hui du coup, le 10 août. Donc nous avons le petit retour du coup pour la deuxième apparition, ou troisième plutôt apparition je crois, de la boutique, le skin foudre à 800 V-Buck. D'ailleurs je vais faire ça avec la manette, car je trouve ça plus sympa avec la manette. Du coup le petit skin à 800 V-Buck, on est bon là-dessus. Le petit skin, enfin, à le petit, une façon de parler, le skin à 2000 V-Buck. Rafale avec son sac à dos. Franchement, la petite cape est stylée. C'est un skin qui est super beau, je trouve. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu en game, moi je l'ai depuis, depuis la première fois qu'il est sorti. Et c'est un skin que j'aime particulièrement parce qu'il est assez original. Ensuite, il y avait également la pioche, du coup, électrique à 1200 V-Bucks. La pioche qui est plutôt sympathique en game, si je vous assure. Le planeur qui est juste magnifique. Le planeur, franchement. L'action du planeur, etc. À 1200 V-Bucks, du coup, l'œil de l'orage est vraiment très très stylé. Normalement, on est bon. Le nouveau skin qui est sorti hier en boutique, le skin facette, du coup, à 1200 V-Bucks. Un skin un peu ninja, un petit un peu. Enfin, une sorte de ninja rebelle plutôt, avec son petit sac à dos. On est bon. Le skin qui est sorti hier également, guêpe vorace, à 1500 V-Bucks. Qui est assez funny, j'aime bien ce bouson qu'il a. Avec sa petite pioche, du coup, lame primordiale. Je vous montre de près. Voilà. La petite pioche, du coup, à 500 V-Bucks. La hachette primordiale également. On est bon. Le planeur d'ardeur à 800 V-Bucks. On est bon là-dessus. Ensuite, nous avons le petit retour. Du skin du coup Callisto à 1200 V-Bucks, là c'est l'ensemble des skins que j'ai acheté d'ailleurs. Féminin du coup. Voilà, pour ceux qui ne la connaissaient pas, elle est sortie la saison d'avant. C'est un skin assez récent, mais malgré tout. Mais ce cadeau il est sympa, franchement. Il a un petit air, voilà. Avec la petite pioche là qui est sympa au bout. C'est plutôt sympathique ce skin. La petite pioche du coup, escape, double pioche à 800 V-Bucks. Franchement, cette pioche là j'aime beaucoup. Le planeur qui est juste super magnifique, franchement il est très rigolo. Un planeur un peu voilà, le son d'Halloween un petit peu. Un planeur DJ Sofchori. Moi j'aime bien ce petit planeur à 800 V-Bucks. Bastos du coup. Ensuite nous avons le skin masculin Asmodée avec deux styles différents. Voilà, moi j'aime bien ce skin personnellement. Avec son sac à dos, il vous rappelle que le sac à dos fait penser personnellement à moi au monstre de Polar Peak qu'il avait un seul œil. Je trouve que c'est une sorte de dédicace, donc franchement voilà, j'aime bien ce petit ensemble personnellement. Ensuite nous avons le petit retour du coup le skin soldat toxique, que je vous rappelle que maintenant ce style, le skin de là, a deux styles différents. Alors, la couleur qu'il avait de base et la couleur jaune qu'il y a eu après, jaune et noir. Pareil pour le sac à dos. Voilà le petit ensemble qui fait plaisir. Pour ceux qui ne l'avaient peut-être pas la première fois. De retour, la danse aigle. Ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu d'ailleurs, la petite danse aigle. Le petit revêtement du coup, turbulence à 500 V-Bucks. Qui est plutôt pas sympathique. Il est sympa le revêtement. Moi, ce que vous en pensez du revêtement, pour ceux qui le connaissaient peut-être pas. Hein. Le robot, ça fait stylé, c'est le robot. On est bon, le petit skin de retour. Et à chaque fois qu'il est en boutique, je n'ai jamais de bug. Vous avez remarqué, pour ceux qui suivent toutes les boutiques que je fais, à chaque fois que ce skin sort en boutique, je n'ai pas assez de bug. Là, les bug que j'ai là-haut, c'est ce sauver le monde que j'ai récolté cette semaine. C'est-à-dire, ce soir, normalement, quand je vais récolter ce sauver le monde, j'aurai 100 bug de plus. 150, normalement, je crois. Si je ne me trompe pas. Et en vrai, j'aurai jamais assez de toute façon. Donc, tant pis, ce sera encore pour la prochaine fois. De toute façon, elle sort souvent ce skin, donc. Un jour, je finirai par l'acheter. Je vois qu'il y a une nouvelle danse. On va regarder à la fin la nouvelle danse. La petite danse action. Quand de brune pour la petite action de 200 V-Bucks. On est bon là-dessus. Et la nouvelle danse. Qui ressemble à la danse Flox, apparemment. Et elle s'appelle la danse Flox circulaire. Donc, elle va pas être tout à fait la même. Mais c'est une genre. La Flow 2.0. Ou la, la Fausse 2.1. Appelez ça comme vous voulez. Ok. Ouais, pas mal, hein.
Malheureusement, j'ai pas assez de bucks, donc je peux pas l'acheter. La musique, elle est loin, la musique, hein. Ok, la nouvelle danse, elle est bien. En vrai, la nouvelle danse, j'aime beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas assez de V-Bucks. Donc, je peux pas l'acheter. Donc, j'ai un peu le seum. Mais c'est pas grave. J'achèterai sûrement à la prochaine première apparition. Sauf si quelqu'un veut m'aider sur ce monde à faire mes défis. Genre les défis défense de bouclier. Là, j'aurai assez de V-Bucks pour l'acheter demain. Avant que la boutique change. Mais sinon, bah je suis un peu coincé. Là, je peux pas acheter de V-Bucks pour l'instant. Je dois attendre encore un peu avant d'en acheter un peu, donc du coup, je sais pas acheter des V-Bucks depuis la saison 10, et je n'ai pas acheté du tout, à part pour le sûr pour passe de combat, mais je n'ai pas acheté autrement. J'essaie de vraiment de me calmer dessus, du coup, pour l'instant, je peux pas acheter des V-Bucks. Du coup, bah, tant pis, c'est pas grave. Sur ce, moi, je vous dis à demain pour de prochaines vidéos, du coup, la vidéo à boutique, forcément, et puis je vous dis bon week-end, et notez la boutique, dites-moi quel skin vous aimez de cette boutique, ou alors lequel que vous voulez de cette boutique aussi. Voilà. Allez, à demain. Et dites-moi aussi la nouvelle danse qui est sortie en boutique, là, la Floss. Est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez qu'elle est plutôt stylée? Ou un peu trop too much? En gérant qu'elle ressemble beaucoup à l'autre, on va dire. Dites-moi dans les commentaires. J'aime bien savoir ce que vous aimez bien en boutique, etc. Allez, à demain les gars. Ciao.